Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon, les petits potes, on n'a qu'une parole, on y va, fut champion, les finales. On va jouer notre premier match avec nos deux nouvelles icônes. Alors certes, pas forcément des folles, mais mine de rien, on descarte quand même 94-92 si on perd. Une valeur marchande de peut-être 400-450 000 crédits, j'imagine. Hein. Ça doit être ça si on fait le prix. Là, on est sur 100 000 pour Puyol, max. Et Nesta, on était sur presque 400-350. Donc ouais, 450 000 crédits hein, à discard si on perd ce match. L'équipe, la voilà. Donc on est sur l'équipe Manchester à la base. Hein. Normalement, c'est Vidic Ferdinand en défense centrale. J'ai juste pris Oba pour le tester parce qu'on l'a fait. Et il est assez incroyable, hein, 10 matchs, il a joué les 10 matchs qualification, on a fait 10 victoires, 11 buts, 5 passes. Donc mon équipe, j'en suis plutôt fier. On va partir pour un match, on met pas de style les gars, etc. Parce que si on doit les discard, ça fait un style en moins. C'est le mec. Un seul match, si on perd, c'est discard, let's go. Voilà, on parle pas plus, on bégaye pas, on y va. Moi j'aime bien ces discards là, à l'heure actuelle, je trouve que ça donne un petit peu de hype, on s'amuse bien. Et franchement, pour l'instant, on n'a pas eu à discard un seul joueur. Je crois qu'on a fait 3-4 vidéos discard. À l'heure actuelle, je vous ai spoil, mais on a tout gagné. Oula, par contre là, on a une grosse équipe. On a une grosse équipe en face. Allez, c'est parti. Espérons faire ça rapidement. Une fois, on en a fait un, c'était pour, je crois que c'était pour Cantona. Et Cantona qui avait juste plié le match en 10 minutes. Et ça a fait plutôt plaisir. Hein. Alors là, on peut peut-être plier le match avec Harry Maguire. Ah ouais, j'ai voulu un petit peu trop faire le beau là. Aubameyang, golazo, mais oui mon petit Oba, qu'est-ce qu'il est fort les gars, il est incroyable. Nesta est chaud à ce qu'il paraît, ouais il doit être pas mal, bah en vrai il a les stats pour. Hein. De toute façon je vais pas vous mentir, hein. Pour moi un défenseur central à l'heure actuelle qui a 80 de vitesse ou plus et après plus de 90 en défense, on va de toute façon pouvoir défendre avec quoi. Vraiment je me fais pas trop de soucis à ce niveau là. David Beckham, on va accélérer et là, boum. Oh, j'aurais kiffé de ouf. Donc ouais, tu vois, par exemple, jouer avec David Beckham en milieu centre, c'est pas forcément l'assurance tout risque. Mais moi, ça me fait kiffer. Tu vois, j'ai... Voilà, c'est mon icône... Voilà, c'est David Beckham, quoi. Alors ouais, c'est pas le meilleur défenseur du jeu. Ouais, c'est pas le plus rapide, y a pas de problème. Mais bon, quand je fais une petite frappe avec, je vibre, tu vois. Putain, là, j'ai envie de frapper de nouveau, quoi. Oh là là, on a attendu. Et c'est Aaron Wan-Bissaka, le pire joueur de mon effectif. Martinez, oh. Beckham! Oh, dommage. Pour l'instant, ça se passe bien. Hop, virgule extérieure, centre deuxième poteau, tu connais. Et Nesta qui sauve sa place. Oh là là, quel arrêt! Donc on la refait, hein. Je vous fais un tuto en direct, c'est à la fin du jeu, vous pouvez tous être des petites puputes comme moi. Hop, virgule extérieure. Bon, normalement, ça passe, tu sens deuxième poteau et c'est presque putain. Oh, j'ai presque réussi à la récup là. Je vais pas prendre un run ici, ou je le replace sur links. Bien joué. Moi, ce que j'aime bien avec mon milieu de terrain, c'est que j'ai deux artilleurs, quoi. Tu as Casemiro et Beckham. Quand t'es en position, tu vibres, quoi. Ah, j'ai essayé le petit dribble, ça n'a pas passé. Il est en pression, hein. Il est en pression, le pauvre. Donne à Beckham. Casemiro. J'ai envie de frapper, mais faut que j'arrête. Faut peut-être que j'assure aussi, hein. Oh là là, Bruno. Oh, pff, oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Oh là 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 là. Ouais, il est beau celui-là. Oh, le Bruno, il a fait du sale. Et la frappe est incroyable. Lucarne opposée. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé. À la prochaine, au revoir. Bon, ça sent bon, hein, les gars. Hein. Je crois que là, ça va pas être un discard ici. Hein. Je crois qu'ici, ça va clairement être un... Oh, putain. Oh, ok, nice. Ça va clairement être une win ici. Hein. On lui a fait du mal. Ah, dommage. Oh! Oh! Oh, le raté. Peut-être le tournant du match, ça. Allez, on se place. On revient avec les milieux défensifs. Et là, on prend Aaron.
Il a mis un petit pressing en place, ça peut être très dangereux pour lui, parce que là-bas sur le côté, il n'y a personne. La passe, c'est pas mal, je crois. Ah, dommage. Un petit peu forte. Elle était pas facile. Elle était pas facile cette petite passe. Il est pas en jeu. Il coupe en bas. Pourquoi il tombe? T'as vu, je vais faire une petite tête. Harry Maguire! Eh oui, monsieur! C'est bon. Bah, c'est réglé, hein. 3 yards, je crois, les gars. 28ème. Il va plus faire grand chose, le pauvre. Il va plus faire grand chose. Au final, ça passe sans problème. Et ça sera des joueurs gardés ici. Donne-moi la balle, s'il te plaît. Allez. On y va, Bru-Bru. Bah, pas facile de passer, ouais. Il y avait une prise à deux là. J'ai envie de marquer un long shot avec Beckham. Bien, Carlos Puyol, allez. Ah, j'ai pas réussi à accélérer. Mais on va récupérer. Oui. Oh bah, il se fait pas rattraper, c'est mort. Oh, entre les jambes. Oh, le penalty. Ah, je suis mort. Vas-y, on va tirer avec Nesta. C'est lui qui est dans notre club là depuis peu. Grosse mine à droite. Et voilà. Ah bah c'est une partie de plaisir. Voilà. C'est une partie facile. Dis-moi pas qu'il a posé la manette quand même. J'aurais plus foi en l'humanité ici. Non, c'est bon. Ouais, bon. Là, je crois que voilà, c'est la messe est dite. Hein. Beckham avec son petit but. 4-0, j'aurais FF. Ouais, je sais pas pourquoi les gens, ils aiment. Ah, bah 5. Peut-être 5, c'était trop. Les gars, 38 minutes. C'est réglé. On garde nos deux icônes. Je vous rappelle qu'il y a la roue de la chance. Hein, dans les subs, si vous subez, vous pouvez retomber sur un discard game. Vous pouvez tomber aussi sur un eSport FC à gagner, etc. Si vous subez sur Kick. Donc, n'hésitez pas. Mais là, on garde nos deux joueurs. Et ça fait plutôt plaisir. Au moins, on aura de la puissance pour des SBC. Bah, c'est pas comme si j'aurais fait une dépression si je les avais perdus. Mais. Au moins, on a vu des buts, on s'est amusé et c'est tout ce qu'on recherche sur le jeu. Parfait.